Je vous salue au nom du Seigneur Jésus. Que le Seigneur puisse vous bénir. Que le Seigneur vous soit agréable partout où vous êtes en ce moment. Que sa paix puisse abonder dans votre vie. Le temps de pouvoir écouter ce cantique merveilleux avant de pouvoir commencer notre direct de cet après-midi. C'est de la part de votre frère Pasteur Jojo Senga. J'aime bien ce cantique qui parle de notre Seigneur, comme il avait tout abandonné pour venir à notre recherche. Il est venu nous chercher, nous qui étions perdus. Nous étions perdus dans notre mauvaise manière de vivre, dans nos coutumes. Nous étions éloignés de Dieu et par sa grâce, lui qui nous a beaucoup aimés, il a tout abandonné pour venir nous chercher. Alors, une fois de plus, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus et je salue tous ceux qui seront avec nous dans ce studio, même ceux qui vont nous rejoindre après, même tous ceux qui n'auront pas l'occasion d'être en direct avec nous, tous ceux qui auront l'occasion de pouvoir suivre cette vidéo, nous les saluons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et notre prière est que le Seigneur puisse intervenir dans votre vie. Notre prière est que le Seigneur puisse vous bénir. Notre prière est que la paix du Seigneur puisse être multipliée dans votre vie. Notre prière est que le Seigneur puisse vous faire grâce de pouvoir garder foi en lui, de ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Alors, dans notre dernière vidéo, nous avions parlé de la marque de la bête et sa marque. Aujourd'hui, nous allons ajouter un élément, comme c'est écrit sur vos petits écrans. Vous êtes en train de voir l'écriture que nous avons donnée cet après-midi. L'épître, nous sommes dans l'épître, dans les premières épîtres de Jean. 1 Jean chapitre 2, l'écriture dit ceci, petits enfants, 1 Jean chapitre 2, verset 18. Petits enfants, c'est la dernière ère. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, mais il y a maintenant plusieurs antéchrists, par là, nous connaissons que c'est la dernière ère. Donc, les frères, l'apôtre Jean dit, vous avez appris qu'un antéchrist vient, mais maintenant, il y a plusieurs antéchrists. Donc, même du temps de notre bien-aimé, de notre apôtre Jean, il y avait déjà des antéchrists dans le monde par rapport à l'écriture que nous venons de lire. Alors, avant de pouvoir parler des antéchrists et la marque de la bête, je voudrais d'abord ajouter un élément très important par rapport à la marque de la bête. Là, nous relisons notre écriture de Genèse chapitre 3,
verset 1er, où le Seigneur dit ceci, les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. Alors, la fois passée, nous avions donné cette écriture pour montrer au peuple de Dieu que pour comprendre qu'est-ce que Dieu appelle bête et qu'est-ce que Dieu appelle la marque de la bête, il faut d'abord commencer par Genèse chapitre 3, verset 1, où le Seigneur lui-même définit, il dit que les serpents étaient les plus rusés de tous les animaux des champs. Donc le Seigneur compare les serpents par rapport aux autres animaux des champs. Les serpents comme étant un animal, aux autres comme étant une bête, le Seigneur les compare aux autres animaux des champs. Les champs, nous avons expliqué que c'est le monde. Et les autres animaux des champs, le Seigneur ne voyait pas les chèvres, ne voyait pas les vaches, il ne voyait pas les moutons, les lions et léopards, non. Mais le Seigneur voyait les royaumes. Voilà pourquoi quand nous sommes allés dans Daniel chapitre 7, quand Daniel a eu la vision, il a vu les animaux qui sortaient de quatre animaux qui sortaient de la mer. Et dans l'explication de la vision qu'il a eue, l'ange lui a expliqué que ces animaux étaient des rois et étaient aussi des royaumes. Donc, pour dire que les autres bêtes dont le Seigneur parle dans Jean 3 et dans Genèse 3, verset 1er, les autres bêtes qui sont moins rusées que les serpents, ce sont les royaumes du monde et les rois du monde. Le Seigneur les appelle aussi des bêtes. Alors, mais c'est le serpent qui est plus rusé. Donc, le serpent qui est plus rusé, c'est le diable. Donc, c'est le diable qui est plus rusé que les royaumes de la terre et les rois de la terre. Les royaumes de la terre, ils ont la ruse, ils ont les mensonges, mais ils sont moins rusés que les serpents lui-même. Ils sont moins rusés que les diables. C'est le diable qui a la grande ruse par rapport au livre de Genèse 3, verset, Genèse 3, verset 1er. Voilà. Alors, voilà pourquoi quand vous lisez pour comprendre, confirmer que les royaumes de la terre sont aussi des bêtes. Là, j'ai donné l'écriture de Daniel, chapitre 7. Je vais donner une autre écriture, et Apocalypse, chapitre 12. Là, je vais lire Apocalypse, chapitre 12. J'ai lu à partir du verset 3. L'écriture dit, « Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant sept têtes, et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon s'était devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. » Quand vous lisez le verset 7 du même chapitre, l'écriture dit, « Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons et les dragons et les anges combattirent. Mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fit précipiter les grands dragons, les serpents anciens, appelés les diables et Satan. » Donc l'écriture montre déjà que les grands dragons, les serpents, c'est le diable lui-même. Alors quand vous allez dans Apocalypse chapitre 13, quand vous lisez par exemple le verset 4, Apocalypse 13, verset 4, l'écriture dit, « Et ils adoraient les dragons parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et ils adorèrent la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. » Donc, par rapport à cette écriture ici, l'écriture nous montre noir sur blanc comment les diables, les serpents anciens, avaient donné son autorité à la bête qui est le royaume. Donc, le diable a donné son autorité à la bête. Voilà pourquoi vous allez remarquer aussi, la bête à laquelle les diables, soit les dragons, avaient donné son autorité, vous allez remarquer que cette bête aussi, elle a sept têtes et 10 cornes qui parlent de l'autorité du dragon. Voilà pourquoi quand le Seigneur vient, dans Luc chapitre 4, quand le Seigneur vient,
Le Seigneur, l'Écriture aussi confirme cela. Je suis dans Luc chapitre 4. Je lis le verset 5. L'Écriture dit, « Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, « Je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. » Donc, par rapport à cette Écriture-ci, le diable, quand il tente notre Seigneur, il lui montre tous les royaumes de la terre et leur gloire. Et le diable dit au Seigneur de pouvoir se prosterner devant lui. Et quand le Seigneur se prosterne, le diable lui dit que je vais te donner ces royaumes et leur gloire. Car ces royaumes lui appartiennent. Donc l'Écriture confirme, noir sur blanc, que les royaumes, l'Écriture dit tous les royaumes de la terre appartiennent au diable. Aujourd'hui, le royaume, ce sont les pays de la terre. Donc, tous ces pays de la terre, les royaumes de la terre appartiennent au diable. Donc, les royaumes de la terre, ils travaillent avec l'autorité du diable. Donc, tous les royaumes de la terre travaillent avec l'autorité et le pouvoir du diable. Tous les royaumes de la terre sont sous la puissance du diable. Voilà pourquoi, quand vous lisez aussi 1 Jean chapitre 5, l'Écriture dit que le monde entier est sous la puissance du diable. Donc, tous les hommes de la terre ont l'autorité du diable. Ils sont tous sous la domination du diable. Voilà pourquoi, dans Apocalypse chapitre 13, on dit que le diable avait donné son autorité à la bête. Et cette bête-là, à laquelle le diable avait donné son autorité, il ne s'agit pas d'une bête physique, mais il s'agit du royaume de la terre. Alors, je vais lire pour le peuple une autre écriture dans Apocalypse chapitre 17. D'abord, pour comprendre la marque de la bête. Quand on comprend la marque de la bête, on va aussi comprendre la suite. Je vais lire une écriture dans Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Apocalypse chapitre 17. Je vais lire à partir du verset premier. Puis un des sept anges qui tenait les sept coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui assise sur les eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Il me transporta en esprit dans un désert et je vis une femme assise sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et 10 cornes. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Verset 5. Sur son front était écrit un nom. Voilà. Était écrit un nom, un mystère. Babylone la grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre. Alors, les frères Jean, ils voient une vision. Une femme assise sur la bête écarlate qui a 10 cornes et 7 têtes. Et cette bête, c'est le diable. Cette bête, c'est le dragon. C'est sur cette bête que la femme était assise. Alors, l'apôtre Jean, le Seigneur lui a expliqué la bête et lui a expliqué aussi la femme. Quand vous lisez le verset 18, on dit que la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur tous les rois de la terre. Donc cette ville représente, cette femme représente toute une ville qui a la domination sur les royaumes de la terre. Alors quand nous rentrons au verset 2, il est dit, c'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité. Et c'est du vin de son impudicité
que les habitants de la terre se sont enivrés. Donc nous prenons la caractéristique de cette femme ici, qui est assise sur les grandes eaux, la femme qui est transportée par la bête écarlate. Alors là, quand nous rentrons dans Jérémie chapitre 51 pour comprendre, connaître cette femme, je lis Jérémie chapitre 51, je lis verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Voilà. Donc Babylone enivre toute la terre. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Donc Babylone, c'est ça la grande ville qui a enivré tous les rois de la terre. Tous les rois de la terre ont bu les vins de Babylone. Or, quand on parle du vin dans les Saintes Écritures, le vin, c'est l'alliance. Souvenez-vous quand le Seigneur a donné. Il avait pris du vin qui représentait son sang et il a dit que par ce vin, je fais l'alliance avec vous. Et quand on parle de l'alliance, on parle de l'enseignement. Donc, puisque dans chaque alliance, il y a des paroles. Donc, c'est-à-dire, quand on parle du vin, on parle de l'enseignement. Donc, Babylone ici, selon Jérémie chapitre 51 au verset 7, Babylone a donné son vin à tous les rois de la terre. Quand on parle des rois, on parle des royaumes. Donc, Babylone, c'est ça, cette femme d'Apocalypse chapitre 17. La femme qui est assise sur les grandes eaux, la femme qui est transportée, la prostituée, qui est transportée par la bête. Cette femme-là, c'est ça Babylone. Alors, souvenez-vous que c'était à Babylone où était Daniel. C'était à Babylone où était Shadrach et était Abednego. Donc, quand Israël avait péché, le Seigneur les avait chassés de leur terre et ils sont allés tous à Babylone. Et Babylone avait un vin qu'elle avait donné à tous les royaumes de la terre. Et le vin de la Babylone, c'est ça l'enseignement. Babylone, c'est cette femme, cette prostituée qui est assise sur la bête écarlate. Et le vin que la Babylone a donné n'est autre que l'enseignement. Donc Babylone représente le monde. C'est le monde ici qui représente Babylone. Puisque quand le Seigneur chasse Israël de son pays, qui était le pays de Dieu, la partie de terre que Dieu avait occupée, donc le Seigneur les chasse pour qu'ils aillent dans le monde. Donc le monde aujourd'hui est considéré comme Babylone. Dans le monde, il y a un vin. Le monde a son vin. Le vin du monde, c'est l'enseignement du monde. C'est ça, même le système du monde, même le système de tous les rois du monde, le système politique du monde, c'est tout un vin. Voilà pourquoi, quand vous lisez, par exemple, Jérémie 51, au verset 7, l'Écriture dit que Babylone a enivré tous les rois de la terre avec son vin. Ce vin-là, c'est tout un enseignement. C'est ça, le système du monde. Alors, cette femme assise sur la bête écarlate, sur son front, on voit un nom écrit. Ce nom qui est sur son front parle de Babylone la Grande, qui est la mère des impudiques et des abominations du monde. Dans le monde, il y a des abominations. Alors, quand nous parlons du monde ici, nous parlons de Babylone. Puisque à l'époque, Babylone était la grande ville qui régnait sur tous les rois de la terre. Puisque tous les rois de la terre avaient copié l'enseignement de Babylone. Et Babylone aujourd'hui représente le monde. Voilà pourquoi vous allez remarquer que dans le monde entier aujourd'hui, il y a un seul enseignement. Et cet enseignement, c'est l'enseignement du diable. Et quel est l'enseignement qu'on peut retrouver dans tous les royaumes du monde aujourd'hui, ou soit dans tous les pays du monde? Vous allez remarquer que dans chaque pays du monde, quand vous comparez avec Babylone, vous allez remarquer qu'il y a des abominations. Quelle était l'abomination dans Babylone? Dans Babylone, ils avaient un enseignement
qui était contraire de l'enseignement qu'avait Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego. Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego avaient l'enseignement d'adorer un seul vrai Dieu, qui est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à Babylone, on adorait d'autres dieux. Voilà pourquoi aujourd'hui, dans tous les pays du monde, vous allez remarquer que dans chaque pays du monde, il y a la liberté de la religion. Chacun prie son Dieu. Si vous allez aux États-Unis, il y a plusieurs religions. Il y a des gens, des bouddhistes, il y a des musulmans, il y a donc toutes sortes de personnes. C'est dans tous les pays du monde, c'est comme ça. Donc, ils ont le même système. Voilà pourquoi le monde aujourd'hui, c'est toute une ville. Sur le front de la ville, de cette femme ici dans Apocalypse chapitre 17, on voit les noms écrits sur son front. Et l'écriture explique cette femme comme étant la ville qui domine sur tout le monde. Qu'est-ce qui domine sur tout le monde aujourd'hui? C'est le monde qui est en train de dominer sur tout le monde. Aujourd'hui, nous qui avons crié au Seigneur, nous vivons dans ce monde. Ce monde est comparable à la Babylone. Nous sommes dans la Babylonie. Nous sommes comme Daniel, Meshach, Shadrach, Abednego, qui était à Babylone, mais qui avait gardé l'enseignement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Voilà pourquoi nous aussi, comme nous sommes comme Daniel, Meshach, Shadrach et Abednego, nous devons aussi garder le même enseignement. Malgré que dans le monde, il y a ce qu'on appelle, on dit un peu partout que les États sont les États laïques. C'est-à-dire que chacun est libre de croire à ce qu'il veut. Or, dans l'enseignement de Dieu, on ne croit pas à ce qu'on veut, mais on croit à un seul enseignement. Voilà pourquoi cette femme ici, sur son visage, il y a ces noms-là. Il y a ces noms. Donc, pour reconnaître la femme, il faut regarder le visage. Donc, sur le visage de la femme, on voit les noms de Babylone, là où il y a des abominations. Donc, or, vous allez vous souvenir que dans Apocalypse chapitre 13, au verset 17, on dit que la marque de la bête doit se retrouver soit sur la main, soit sur le front. Et j'avais expliqué l'autre fois pourquoi sur le front. Sur le front, pour dire que, puisque c'est à partir du visage qu'on peut reconnaître quelqu'un. On ne reconnaît pas quelqu'un à partir de son dos, mais on reconnaît quelqu'un à partir de sa face. Voilà pourquoi la marque de la bête doit être sur le front. Et le front là, ce n'est pas un front physique, c'est un langage de parler de la reconnaissance. C'est-à-dire que pour reconnaître que tel appartient au diable, il doit avoir la marque du diable. Tel appartient à Dieu, il doit avoir la marque de Dieu. Voilà pourquoi la fois passée, j'avais dit que si quelqu'un appartient à Dieu, il doit avoir la marque de Dieu. Et la marque de Dieu, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi, quand vous rentrez dans les livres des Deutéronomes, les enfants d'Israël, le Seigneur avait recommandé par Moïse qu'ils puissent écrire les commandements soit sur leur front, soit sur leurs mains. C'était un langage pour dire que le Seigneur les reconnaissait par les commandements qu'il leur avait donnés. Donc la marque de la bête aujourd'hui, ce n'est pas une marque physique, c'est l'enseignement du diable, c'est l'esprit du diable. Voilà pourquoi nous avons choisi aujourd'hui cette écriture de 1 Jean chapitre 2 verset 18 où l'écriture dit qu'il y a un antéchrist qui vient, mais il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Donc l'antéchrist vient, mais aujourd'hui il y a plusieurs antéchrists. Depuis le temps des gens, il y en avait déjà et il y en a aujourd'hui. Alors, qui est un antéchrist? L'antéchrist veut dire celui qui vient avant Christ. Vous allez vous souvenir dans les livres des Jean, je suis dans les livres des Jean chapitre 10, le Seigneur dit ceci. Le Seigneur dit ceci. Jean chapitre 10, le Seigneur dit au verset 8, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont point écoutés. Voilà. Donc, cette écriture montre
qu'il y a eu des gens qui étaient venus avant Jésus-Christ. Dans sa première avenue, il y a eu des gens qui étaient venus avant lui. Puisque Israël avait la promesse, selon la promesse qu'Israël avait, le Seigneur devait venir en Israël. Christ devait venir en Israël. Mais avant que Christ vienne, dans sa première venue, il y a eu des gens qui s'étaient présentés comme étant Christ. Et tous ces gens-là étaient seulement des antéchrists. L'Écriture dit qu'il n'y a rien de nouveau sur la terre. Dieu ne fait que ramener ce qui est passé. Voilà pourquoi quand vous lisez dans le livre des Actes, chapitre 5, acte 5, pour voir les gens qui étaient venus avant le Seigneur et qui voulaient séduire le peuple du Seigneur. Acte chapitre 5, je vais lire une écriture. Acte 5, verset 36. Car il n'y a pas longtemps qu'est paru Théudas qui s'est donné pour quelque chose et auquel se rallièrent environ 400 hommes. Il fut tué et tous ceux qui l'avaient suivi furent mis en déroute et réduits à rien. Après lui, parut Judas, le Galiléen, à l'époque du recensement, et il attirait du monde à son parti. Il périt aussi et tous ceux qui l'avaient suivi furent dispersés. Donc, nous voyons ici d'abord des hommes qui étaient venus avant Jésus, avant que le Seigneur soit en Israël. Ces gens ici, ils avaient attiré du monde vers eux. Il y a Théudas, il y a aussi Judas le Galiléen. Donc, ces gens ici étaient venus avant que le Seigneur soit né. Alors, voilà pourquoi quand le Seigneur Jésus vient, il dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des brigands et des voleurs. Or, ceux qui étaient venus avant le Seigneur Jésus, c'était ces gens ici, ils étaient venus pour séduire les peuples de Dieu. Et ces gens-là, ce sont des antéchrists. Les antéchrists ne travaillent pas avec l'esprit de Christ. Ils travaillent avec l'esprit de l'antéchrist. Puisque l'Écriture dit qu'il y a un antéchrist qui vient, et il y a aussi plusieurs antéchrists dans le monde. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs antéchrists. Plusieurs antéchrists, ce sont des gens qui viennent avant l'antéchrist, mais qui travaillent pour le compte de l'antéchrist. Puisque l'antéchrist viendra avant le retour de notre Seigneur sur la terre. Alors, je lis une autre écriture pour montrer l'antéchrist. Pour montrer l'antéchrist, je suis dans 2 Thessaloniciens. De Thessaloniciens chapitre 2. L'Écriture dit ceci au verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement embraler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler soit par quelques inspirations, soit par quelques paroles ou par quelques lettres qu'on dirait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. L'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans les temples de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Voilà. Selon cette écriture ici, déjà du temps de l'apôtre Paul, les gens disaient que les jours du Seigneur étaient là. Alors, le frère Paul vient avec la précision, avec la lumière, pour dire au peuple qu'avant que le Seigneur vienne, il faut d'abord que l'antéchrist arrive. Il faut d'abord qu'on voit quelqu'un qui va prendre la place de Dieu, qui va vouloir à ce que le monde puisse l'adorer. Il faut d'abord que cet homme-là arrive. Et cet homme-là, qui va venir avant Jésus-Christ, cet homme-là, c'est celui qu'on appelle l'antéchrist. C'est celui que l'apôtre Jean appelle dans Apocalypse chapitre 13,
que c'est la bête. C'est cet homme-là. Donc, l'apôtre Paul l'appelle l'homme du péché, le fils de la perdition. L'apôtre Jean, dans 1 Jean chapitre 2, l'appelle l'antéchrist. Et aussi, l'apôtre Jean l'appelle dans Apocalypse chapitre 13, la bête. C'est la même chose. C'est la même chose. C'est un problème de mots. On peut l'appeler bête, on peut l'appeler l'antéchrist, on peut l'appeler l'homme du péché, soit le fils de la perdition. Puisque c'est celui qui va vouloir prendre la place de Dieu pour se faire adorer. Donc, alors, j'étais en train de dire que les antéchrists viennent pour travailler pour la cause de l'antéchrist. Et ils viennent travailler pour préparer l'avenir de l'antéchrist. De la même manière que les prophètes Ésaïe, Ézéchiel, Zacharie et les autres avaient travaillé pour préparer l'avenir de notre Seigneur Jésus. Et aujourd'hui, les serviteurs de Dieu sont en train aussi de prêcher pour que le peuple de Dieu puisse aussi recevoir le Seigneur Jésus. Quand il va apparaître, bien sûr, dans le désert, là, pour l'Église, et aussi les deux vont travailler pour que Israël puisse recevoir le Seigneur Jésus quand il reviendra en Israël. Mais les antéchrists, ils travaillent pour la cause de l'antéchrist. Et l'antéchrist, c'est celui qui vient avant Christ. L'antéchrist, là, c'est celui qui va prendre, qui va chercher à ce que le monde puisse l'adorer. Et le Seigneur va les laisser faire pour accomplir l'écriture de Daniel, chapitre, on dit cette écriture-là, l'écriture de Daniel, Daniel chapitre 7, je pense, oui, Daniel chapitre 8, Daniel chapitre 8, je vais lire l'écriture, verset 11, Daniel 8, verset 11, elle s'éleva jusqu'au chef de l'armée, lui enleva les sacrifices perpétuels et renversa les lieux de son sanctuaire. L'armée fut livrée avec les sacrifices perpétuels à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et reçut dans ses entreprises. Verset 13. J'entendis parler, je peux même limiter au verset 12. Donc la vérité fut jetée par terre et la bête, ou soit la corne, reçut dans ses entreprises. La corne ici, qui est le diable. Le diable, depuis le commencement, les démarches que le diable est en train d'entreprendre est que l'homme puisse l'adorer à la place de Dieu. Et il y aura un moment où le diable va réussir. Selon cette écriture ici, le Seigneur va les laisser réussir. Donc, ça va arriver quand? Ça va arriver le jour où le monde va adorer l'homme qu'on appelle l'antéchrist, ou soit l'homme qu'on appelle la bête, ou soit qu'on appelle les fils de la perdition, l'homme du péché. Donc le Seigneur va les laisser faire, la vérité va tomber par terre, et le diable va se faire adorer. Il y aura un homme qui va porter le corps de l'homme, dans lequel va habiter la plénitude de l'esprit du diable, et cet homme sera adoré par le monde. Alors, aujourd'hui, il y a beaucoup d'antéchrists dans le monde, selon 1 Jean chapitre 2, verset 18. Et les antéchrists ne sont pas seulement, n'ont pas seulement apparu pendant notre période, mais c'est depuis même le temps des gens. C'est depuis longtemps que les antéchrists sont dans le monde. Mais les antéchrists, ils travaillent avec quelle puissance? C'est avec la puissance du diable, avec la marque du diable, avec l'esprit du diable. C'est cet esprit du diable qu'on appelle la marque du diable. Voilà pourquoi, quand vous lisez Matthieu chapitre 24, le Seigneur en avait déjà parlé, Matthieu 24, je lis ça, Matthieu 24, le Seigneur en avait déjà parlé, Matthieu 24, verset 24, le Seigneur dit, car il s'élèvera des faux Christs et des faux prophètes, ils feront des grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voilà. Donc, l'écriture montre qu'il y aura des faux Christs, qui sont des antéchrists. Il y a aussi des faux prophètes.
les gens qui vous disent qu'ils sont des prophètes, mais qui sont en train de séduire. On les reconnaît par l'air et par la ruse, par la séduction. Puisque la grande caractéristique du diable, c'est la ruse. La marque du diable, c'est la ruse. Le diable n'a rien d'autre que la ruse. Le diable n'a rien d'autre que les mensonges. Quand le diable vient auprès de quelqu'un, il lui présente le mensonge. Il vient avec la ruse pour faire tomber quelqu'un. C'est ça aujourd'hui aussi. Les antéchrists, les faux christs, les faux prophètes, ils travaillent avec la séduction. Ils viennent avec un enseignement contraire à l'enseignement de Dieu. On les reconnaît par des grands prodiges, par des grands miracles. Ils vous opèrent des grands miracles, mais ils n'enseignent pas au peuple de Dieu à pouvoir se détourner de la mauvaise vie pour suivre la bonne voie. Donc, et leur problème, c'est de présenter les miracles, c'est d'opérer des miracles pour que les gens puissent croire en eux. Mais les miracles véritables font en sorte que quelqu'un puisse croire en Jésus-Christ. Les miracles véritables font en sorte que quelqu'un puisse abandonner la mauvaise vie. Puisque quand le Seigneur envoie ses prédicateurs, ses prophètes, ses enseignants, c'est pour qu'il puisse ramener son peuple vers lui. C'est ça la mission d'un prédicateur. La mission d'un prédicateur, c'est de ramener le peuple de Dieu vers Dieu. Dire au peuple de Dieu d'abandonner la mauvaise vie pour suivre le Seigneur, de se repentir. C'est ça ce que le Seigneur a dit dans Jean, dans Jérémie chapitre 23. Le Seigneur a dit, si moi je les avais envoyés, ils auraient dit à mon peuple de se repentir. Donc, le prédicateur de la parole, quand il vient devant le peuple de Dieu, il lui présente la parole de Dieu. Et cette parole doit faire à ce que l'homme puisse abandonner la mauvaise vie, que l'homme abandonne la haine, puisque c'est ça le but de la parole. Le but de la parole, c'est de transformer l'homme. Quand l'homme n'est pas transformé par la parole, rien d'autre ne le transformera. Il n'y a que la parole qui est capable de transformer l'homme. Voilà, quand les prédicateurs venus de Dieu viennent avec la parole, cette parole c'est pour transformer le peuple de Dieu, afin que le peuple de Dieu puisse obtenir le salut. Puisque le peuple de Dieu doit commencer à vivre la vie de sanctification sur la terre. La vie de sanctification, on ne va pas la vivre seulement auprès du Seigneur, au ciel, mais ça doit commencer ici, sur la terre. Donc, la haine doit tomber par la parole qu'on enseigne. La mauvaise vie doit tomber par la parole qu'on enseigne. Alors, mais quand les faux Christ viennent, quand les antéchrist viennent, ils travaillent avec l'esprit du diable et leur problème c'est de présenter, c'est d'opérer des miracles. Leur problème c'est d'opérer des grands prodiges pour que les gens puissent croire en eux. Mais leur enseignement n'est pas capable de pouvoir changer l'homme. Donc, quand l'enseignement qu'on donne au peuple n'est pas capable de changer l'homme, cet enseignement ne vient pas de Dieu. Puisque la parole de Dieu a une puissance de pouvoir transformer l'homme. Quand quelqu'un vient au Seigneur avec la mauvaise vie, la vie par exemple de l'impudicité, la vie du mensonge, la parole de Dieu qui est puissante, cette parole est capable de changer la personne. Voilà pourquoi dans les livres de Jérémie, il est écrit que la parole de Dieu est comparable à un marteau qui est capable de briser même les rocs. C'est ça le but de la parole. Mais quand un antéchrist vient, un faux prophète vient, sa parole ne sera jamais capable de pouvoir changer quelqu'un. Il va parler, comme il est animé par l'esprit du diable, sa parole ne changera personne. Donc le but de la parole est que la parole puisse arriver à changer notre vie. Hier, nous étions dans la mauvaise vie, mais aujourd'hui, grâce à la parole, nous vivons la bonne vie. Alors, il y a plusieurs antéchrists aujourd'hui dans le monde. Ils sont pleins.
par rapport à 1 Jean chapitre 2, verset 18. Leur problème, c'est de gagner le peuple vers eux. Mais ils ne gagnent jamais le peuple pour le Seigneur. Or, les buts pour lesquels le Seigneur a envoyé ses prédicateurs, c'est pour que ses prédicateurs puissent gagner le peuple pour le Seigneur. Alors, quand quelqu'un aujourd'hui, il fait du peuple de Dieu son peuple à lui, nous devons vite comprendre qu'il est animé par l'esprit de l'Antéchrist. Puisque aucun prédicateur, aucun faux prophète, aucun Antéchrist n'est mort pour le peuple. Celui qui est mort pour le peuple, c'est le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi quand les prédicateurs travaillent, ils travaillent de manière à ce que les regards du peuple soient tournés vers la croix, non vers lui. Alors, quand quelqu'un travaille de manière à ce que les regards du peuple soient tournés vers lui, donc nous comprenons qu'il est l'Antéchrist. Il travaille de manière à ce que le peuple ait les regards tournés vers lui, non tournés vers la croix, non tournés vers le Seigneur Jésus. C'est ça aussi, quand l'Antéchrist viendra pour que le peuple puisse l'adorer. Alors aujourd'hui, nous disons que le monde entier est comparable à Babylone. Le monde entier aujourd'hui est comparable à cette femme qui est assise sur les grandes eaux, la femme qui est transportée par la bête écarlate. Cette femme-là, sur son front, il y a un mystère. Il y a le nom de la grande Babylone, là où il y a des adultères, des prostitutions, des abominations. L'abomination ici, c'est quand on abandonne les créateurs pour adorer la créature à la place du créateur. Quand quelqu'un arrive déjà prédicateur à la place de Dieu, il faut faire beaucoup d'attention. Alors, cette femme-là est comparable au monde aujourd'hui. Voilà pourquoi j'avais donné l'exemple tout de suite là, qu'à Babylone, c'était là où était Daniel. C'est là où était Meshach, Shadrach, Abednego. Mais à Babylone, c'était là où il y a eu des abominations. C'est là où on a vu Nebuchadnezzar faire une statue pour que les gens puissent adorer la statue. C'était à Babylone. C'était à Babylone où les gens avaient interdit à Daniel de pouvoir prier le véritable Dieu. Mais malgré cela, Daniel ne les avait pas écoutés. Daniel avait continué à prier son Dieu. Voilà, nous aujourd'hui, nous vivons où c'est, nous sommes à Babylone. Le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, c'est la Babylone. Pourquoi? Puisque dans le monde entier, quand vous comparez le monde entier, vous allez dans tous les pays du monde, même chez les Arabes, vous allez remarquer que dans chaque pays, il y a la liberté de la religion. Il y a plusieurs dieux. Or, là où il y a plusieurs dieux, il y a la prostitution. C'est ça ce que la Bible appelle prostitution. Quand vous allez même dans les pays arabes, vous allez retrouver il y a des musulmans, il y a des hindous, il y a des athées. Donc, un peu partout. Vous allez aux États-Unis, vous allez en France. Voilà, il y a la liberté de la religion. C'est ça, c'est voilà pourquoi on parle de la prostitution. La prostitution, c'est là où il y a plusieurs dieux. Dans le monde aujourd'hui, il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs enseignements. Voilà pourquoi aujourd'hui, le monde est comparable à cette femme qui avait sur son front un nom qu'on appelle Babylone la Grande, la mère des impudiques, la mère des impudiques et des abominations. Donc aujourd'hui, le monde est comparable à la Babylone. À la parole de Dieu, nous sommes comme Daniel. Voilà pourquoi nous sommes appelés à garder jalousement l'enseignement de Dieu, à rester accrochés à la véritable parole, à la parole que les apôtres et les prophètes ont enseignée. Rester collés à l'enseignement d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et quand nous restons attachés à cet enseignement, nous serons sauvés.
Je crois que pour aujourd'hui, on s'arrête ici. Si le Seigneur fait grâce, demain on va encore nous retrouver. Que le Seigneur puisse vous bénir.